Yosh, salut tout le monde, ici Sun sur ton écran, bienvenue mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis littéralement 2 secondes plus tard, donc j'ai pas vérifié comment on faisait pour nettoyer outre mesure cette âme. On va essayer de prendre un morceau de jambon qu'on est sûr qu'il est propre, puisqu'il vient littéralement d'un cadavre tout frais. Et on verra si on peut nettoyer cette âme. Hop, j'espère bien. J'ai pas fini de parler de la programmation, hein. Je pense que ça va être le sujet de la semaine. Hop. On peut pas la purifier. Pourquoi on peut pas la purifier? C'est embêtant. Technologie, purification d'orgueil. Clôture de tombe. Ah ouais, non mais on est sur des tombes de fous furieux en fait derrière. Non parce que ça c'est beaucoup plus beau que ça, non? Voilà, ça ajoute 7. Ça, on est sur un level de sculpture de mec plus ultra quoi. Ouais mais il n'empêche que je peux quand même pas soigner cette âme quoi. Putain. Allez, vas-y, va là-dedans. Je me souviens plus de ce qu'il lui voulait. Je crois que c'était l'autre, là, qui voulait un truc. Qu'est-ce qu'il voulait, le mec, là, pour qu'on s'occupe de son âme? C'était lequel? La Marseillais, là. Il est où, le Marseillais? Il doit être en bas de l'écran. Non, c'est le dernier, là. Il est pas là, le Marseillais? Non, il est où, le Marseillais, là? Oh, Marseillais, t'es où? Eh ben... Effectue la première séance de soins. Oh ouais, non mais il est relou, je crois que c'était un truc. Oh ça va, une fiole conique ça se fait quoi. Une fiole conique et 2 pièces simples, on va le mettre là. Une fiole. 2 pièces simples. Voilà. Le truc c'est que là mon four il tourne déjà à plein régime, donc je vais pas pouvoir m'en occuper tout de suite. Mais c'est pas grave, tant pis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va découper un petit peu ce cadavre. Vite fait, bien fait. Voilà, on va lui enlever tous les organes. Et on va finir par le brûler, tout simplement. J'ai plus d'énergie. Il va falloir aller se reposer. Et ben, on va faire ça tout de suite. Hop, hop, hop. Domicile, on dort. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, j'ai commencé à programmer en Java. J'en étais là. Donc ça fait des années maintenant que je programme un petit peu en Java, que je touche au Java. Et là, plus récemment, donc le stage que je vais faire, c'est en JavaScript, en l'occurrence, que je vais devoir apprendre à programmer, en HTML et CSS. L'idée, c'est qu'en fait, la formation que je vais faire, c'est pour devenir web developer. Donc, il n'y a pas de Java là-dedans. Pourquoi? Parce que j'aurais évidemment bien aimé faire une formation officielle sur, sur mon langage. Et bien, tout simplement parce qu'en fait, je peux pas parce qu'en fait, pour faire une formation en Java, il faut automatiquement... Enfin, c'est une formation qui te donne un bac plus 3. Et du coup, il faut déjà un bac plus 2. Chose que je n'ai pas puisque je me suis arrêté au bac. Enfin, techniquement, je suis allé jusqu'à la fac, mais j'ai jamais terminé mon année. Donc, c'est comme si j'avais que le bac. Ça compte pas. Et donc, je ne peux pas étudier de Java. Et pourquoi étudier Java alors que je le maîtrise quand même assez bien? Eh bien, pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que officiellement, aux yeux des entreprises, je n'ai pas de certificat, certification, je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien. Je ne peux pas prouver que je sais faire du Java, à part éventuellement si je montre ce que je sais faire lors d'un entretien. Mais pour décoder l'entretien, il faut déjà réussir à ce qu'on vient bien te laisser ta chance. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, même si je m'en sors, j'ai indubitablement, hein, on peut pas en discuter, ça c'est sûr et certain, des défauts dans cette programmation, puisque j'ai appris tout seul, et du coup j'ai pris des réflexes et des habitudes qui sont pas bonnes, puisque quand on apprend tout seul, on prend des mauvaises habitudes. Et ça va probablement être le cas, et c'est pas plus mal de savoir sur la scène professionnelle quelles sont les pratiques qu'il faut éviter de faire. Il faut savoir d'ailleurs que les vidéos que je propose de tutoriels sur Java, je montre comment faire des choses, mais en fait, je n'applique pas vraiment les principes... quand je fais sur mon propre programme, je l'applique, hein, mais je montre pas vraiment les principes qu'on doit suivre en entreprise, à savoir le fait que quand on créer quelque chose, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas à le modifier par la suite.
quand c'est, en gros, c'est le principe ouvert-fermé. C'est qu'il faut que quelque chose soit ouvert à l'extension, mais fermé à la modification. Et c'est quelque chose que je ne montre pas parce que, simplement, c'est plus compliqué. Donc, je sais faire, hein, c'est juste que c'est plus compliqué à montrer et je veux juste montrer quelque chose qui marche, pas forcément montrer le mieux du mieux, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans un monde parfait. Donc, tant pis. Qu'est-ce qu'il me fallait? Je vais commencer à faire des planches, vu qu'il m'en faut une douzaine, et ça représente pas mal de planches. Hop là! Tant pis pour le cadavre qui va pourrir! Là, je dis ça, je culpabilise. Pas vis-à-vis du cadavre, je me dis je m'en fous, c'est juste que j'ai pas envie de gaspiller un cadavre. On va au moins le mettre sur une planche. Voilà. Ouais, et retirer son âme. Yop! Voilà. Je te retire ton âme. Voilà. Hop là, voilà. Je peux toujours pas te mettre dans la purification, toi, on est d'accord. Hein. Non, je ne peux pas te purifier, quoi. Il manque le steak. Je vais remettre le steak. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé, mais il manque un steak là-dedans. Hop. Non, parce que je vois bien qu'il manque quelque chose. Mais si jamais il n'y a pas de steak, je vais pas avancer. Là. Hop. Je ne peux pas mettre cette âme non plus, mais c'est dingue, quand même. Et qu'est-ce qui se passe quand l'âme, elle est complètement dégradée? Elle disparaît? Elle meurt? Oh mince, j'ai oublié de passer la journée. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain matin. Allez, bye.